J'ai fait une promesse à un groupe de riches terroristes internationaux. Je dois leur livrer un petit bijou de technologie militaire. Le VSQ. Missile en vue! Comme un félin caché dans la nuit, il est invisible, une ombre furtive. La menace. Villa de Banderas, Amérique du Sud. Je vous l'ai dit, Banderas, je peux pas réussir tout seul. Je devrais même pas en discuter avec vous alors que Stone n'est pas là. Et dites-moi au moins si vous êtes intéressé. Non, cette mission, je la sens pas. Et si je commence par vous dire combien vous allez gagner avec cette opération? Ah. Mais pourquoi ne pas en avoir parlé tout de suite, amigo? Sécurité, il y a quelqu'un dehors. Fouillez la terrasse. Vite! Hey, regarde qui c'était. Alors, c'est toi qui fais peur au patron, hein? Je crois que je n'ai pas pris assez de serviettes à l'hôtel. Ne t'en fais pas, chère Eva, j'ai tout ce qu'il me faut sur moi. Sors-moi cette bestiole d'ici! Je suis encore plus allergique au chat qu'à diabolique. Où en étions-nous? Ah oui, et j'ai fait une promesse à un groupe de riches terroristes internationaux. Des amis à vous, peut-être. Je dois leur livrer un petit bijou de technologie militaire. Le VSQ. C'est un véhicule blindé produit par l'un de nos fabricants d'armes locaux, corrompu et plutôt gourmand. Tout le contraire de vous. Il y a un problème. Il persiste à refuser de me le vendre. Il ne me laisse pas le choix. Il me force à vous envoyer voler son engin pour le livrer à mes clients ici même. Il faudra voler le véhicule pendant son transport au site d'essai. Vous pensez que vous pouvez réussir? Ah, ça tombe bien. Stone adore les missions où il faut faire exploser des trucs, mais ce n'est pas faisable, Stone est en prison. Et alors, où est le problème? Faites-le sortir. Hôtel Riviera, Buenos Aires, Argentine. J'ai dû faire ma plongée avant que Banderas explique son plan. Mais j'ai fait une bonne photo de son ami le mercenaire. Je connais ce visage. James Packard. Renvoyé de l'armée américaine pour insubordination. Vol de matériel militaire et incitation à la rébellion. Depuis 5 ans, il a participé à tous les conflits armés du globe en tant que mercenaire. Et le seul mercenaire qui soit plus dangereux que Packard, c'est celui qu'il a formé. Stone. Oh, mais le fichier dit qu'il a été condamné à 20 ans de prison pour enlèvement. Pas de problème. Si Packard accepte l'offre de Banderas, il fera d'abord sortir son chef. J'ai trouvé l'emploi du temps des détenus du bâtiment de Stone. Et? Et demain après-midi, il sera hors du pénitencier, sous escorte légère. Et apparemment, il est affecté à un projet de miniaturisation. Messieurs, aujourd'hui, vous allez prendre ces gros marteaux et casser de gros rochers en tout petits, petits morceaux. Allez, au boulot! Et si j'en vois un qui traîne, il ne mangera pas. Je me demande bien ce qu'on va nous donner à manger ici. Je ne pense pas rester pour le pique-nique.
Mon prochain repas, ça sera une énorme côte de bœuf. Et je la mangerai dans le meilleur restaurant de Buenos Aires. Ouais, c'est ça. Je résume la situation, mesdames et messieurs. Je fais rassembler mon équipe d'assaut en ce moment même. Demain, le VSQ sera à moi. À vous? Après la somme que nous avons versée? Oh, je voulais dire à vous, bien sûr. S'il vous plaît, si vous voulez bien me suivre. Oh, excusez-moi, mais je crois que tout le monde se sentirait plus tranquille si vous déposiez vos armes avant d'entrer. Au travail, Stone! Allez au boulot! Ah, c'est pas du travail, chef. C'est le début de longues vacances drôlement bien méritées. Qu'est-ce que c'est? Rien, rien! C'est l'armée qui envoie des hélicos dans le coin sans arrêt. Mais ça, c'est pas l'armée! C'est pour toi, quand je mangerai ma première côte de bœuf. Tu as l'air en forme. Apparemment, tu as bien pris tes vitamines. Tu es venu avec 3 hélicos? Non, 2. Et ça alors, qu'est-ce que c'est? Bravo, c'est réussi. On devait juste jeter un petit coup d'œil, et voilà, on est repéré. Hélico 2, descendez-moi ce type. Ce que je m'amuse. On dirait qu'ils veulent jouer. Jouer? Non! Accroche-toi! Je suis sacrément content de te voir! Normal! Hélico 2, d'essence gêneur! Bien reçu, Stone! Pas de problème! Il est cuit! Il faut qu'on les rattrape! Oh! Diabolique! Excuse-moi, je suis assez occupé. Décidément, ma chère Eva, je ne sais pas ce que je pourrais faire sans toi. On pourrait peut-être éviter ce genre de situation à l'avenir, tu ne crois pas? Je fais de mon mieux. Qu'est-ce que tu voulais me dire, au juste? Ça! Il a disparu, je ne le vois plus. Finissons-en. Il ne nous a pas encore vus. Tais-toi et dégage. Oh oh. On est touché. Trouve-nous un endroit pour nous poser, vite. Ah, de l'eau. À 100 mètres, sur la droite. Exécution. Conversion en hydrofoil. Conversion terminée. Ah, tu n'as encore rien vu. En tout cas, une chose est certaine. J'ai eu largement plus que ma dose d'adrénaline pour aujourd'hui. Courage, tu te reposeras plus tard. Hey! Oh! Hey! Hey! Oh! Ah, vous... Mais la radio a dit que... Stone, vous avez abattu? Eh oui.
Mais je ne suis jamais abattu très longtemps. Dites, vous pourriez nous faire descendre, non? Je vais vous aider. Mais d'abord, je veux savoir ce que vos amis font avec Banderas. Et puis aussi... Allez, sortez-le! Sortez-le! Ils vont voler le VSQ sans attendre qu'il arrive au site d'essai. Ils vont le voler en rase campagne? Non, ils vont le voler ici, en pleine ville. Sur la voie express. Et comment le sais-tu? C'est ce que je ferai, moi. J'ai jamais vu cette route aussi déserte. Ouais, ils ont dû la fermer pour nous. Ah oui, ben ils ont dû oublier de le dire à ces gars-là. On est bloqués maintenant. Mais qu'est-ce que c'est que ce brouillard? D'où il vient? Ah, j'aime pas ça. Si ça se trouve... Escorte 1, ici VSQ 1. Vous devriez appeler des renforts. Pas de panique. Laisse-moi une minute, je vais voir ce qui se passe. Hey! Cette route est fermée, mon ami. Je ne suis pas ton ami. Ah! Oh! Les voitures sont des leurs. C'est un détournement. Oh! Allez, sors de là, toi. Oh! Au revoir. Il faut bloquer la police. Fais sauter les voitures. Combien il va nous verser, notre ami Banderas, pour cet engin? Assez pour acheter ce petit missile sol-air dont tu rêvais. Peut-être que moi aussi je devrais entendre ce que vous dites. Est-ce que mon VSQ va finir par arriver? Ça fait 4 heures que vous me demandez ça toutes les 10 minutes, Ephraim. Si ça continue, je vais finir par ne plus avoir envie de vous remettre le véhicule quand on me le livrera. Ah. Vous revenez sur votre parole. Attention, je comprends pourquoi on dit que vous êtes faux. Mais si vous ne me le livrez pas, vous comprendrez pourquoi on dit que je suis un terroriste. Ephraim... Non! Stone, regarde derrière. On dirait qu'il y a 2 clowns qui nous suivent. Diabolique. Tiens, rentre utile. Ouais. Oh. Je crois qu'il essaie de prouver quelque chose. Oui, il tire très mal. Regarde. Hey, Stone, tu lances tes roquettes un peu trop près. Oh, 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 oh. Désolé. Ne t'en fais pas, je vais te débarrasser de ce type. Ils ne peuvent pas être bien loin. Stone ne s'est pas donné la peine de voler ce VSQ pour l'abandonner comme ça. Je déteste quand tu as raison. Oh, my God.
engin peut-il aller aussi vite? Le chauffeur mériterait qu'on lui retire son permis. Pas une égratignure. Ah, c'est génial de faire des tests grandeur nature. Oui, mais maintenant, si tu arrêtais de faire joujou pour éliminer ces empêcheurs de tourner en rond. Avec plaisir. Cible verrouillée. Missile lancé. Missile à 6 heures. Je suis désolé de te l'annoncer, mais je crois qu'il faut qu'on se sépare. Diabolique! Ce missile à tête chercheuse est plutôt tenace. Ça n'a pas l'air d'aller. Oh, ça pourrait aller mieux. Le seul moyen de se débarrasser de ce monstre, c'est d'atteindre les têtes de linotte qui sont dedans. Les têtes de linotte? Baccar et Stone. Tu les as eues? Je ne les vois nulle part. Ah, je suis sûr que je les ai eues. Tiens-le bien! Allez, Baccar, on ramène ce bébé à bande... Qu'est-ce que c'était? Il faut qu'on discute. Toi d'abord. C'est avec mes poings que tu vas discuter. Il est vraiment pas bavard, toi, on dirait. Dis donc, toi, moi aussi j'aimerais bien qu'on ait une petite conversation. Hé, hey, contrôle-toi! C'est pas bien d'abîmer le matériel! Banderas ne pourra pas le revendre si tu casses le VSQ! Allez, c'est l'heure, Banderas. Oh, vraiment? Ne demandez pas pour qui sonne le glas, parce que le glas semble sonner aussi pour vous, mon ami. Les voilà! Ils ont réussi! Les voilà! Je vous l'avais dit, la confrérie tient toujours ses promesses. Tu veux vraiment livrer le VSQ à Banderas? Oui, jusqu'à sa porte, et même un peu plus loin. Faire affaire avec Banderas, mon ami, c'est négocier avec... Idiot! Bien joué. Il fallait vraiment refaire la décoration de cette villa. Je suis un homme rationnel, Banderas. Avant que la police n'arrive, il me semble qu'il y a deux façons de remédier à ce malheureux concours de circonstances. Et quelles sont-elles? Soit vous sautez, soit je vous pousse. Apparemment, Banderas et Stone ont réussi à s'échapper. En revanche, la police a arrêté Paccar. Il doit déjà être en train de creuser un tunnel pour s'évader de prison. Au fait, qu'est-ce que nous allons faire ce soir? Le ballet national argentin donne un spectacle. Eva, je n'ai pas très envie d'aller voir du tango. Bon, si tu préfères, je suis d'accord pour aller au palais des sports. Un match de foot? Une course d'engins blindés. Ah, c'est étrange, j'éprouve une soudaine passion pour le tango.